rien ne va plus. Donnez les cartes, monsieur. Il est 8 h. Je peux pourtant pas arrêter la partie. Il y a Laurent qui perd tout ce qu'il veut. Il peut. Son père pèse bien 1 milliard. Il signe encore un chèque. Messieurs, 250 000 francs à faire, on peut faire. Banco. Banco. Veuillez retirer les mains, s'il vous plaît. Banco est demandé. S'il vous plaît. Huit. Neuf. Neuf en banque. 250 000. Pas de chance, monsieur Laurent, aujourd'hui. Non. Alors, messieurs, un de ces jours, peut-être. 500 000, faites vos jeux, on peut faire. Pas de chance, monsieur Laurent. Vous non plus. Jouez-moi la marche funèbre de Chopin. Exactement ce que vous me devez, monsieur Laurent, depuis 2 ans, fil tailleur. Merci, monsieur Laurent. Revient de la guerre. On était très inquiets sur le sort de monsieur. C'est que Paris est dangereux. Hein? On a trouvé le cadavre d'une jeune personne découpée en 57 morceaux. La police se demande s'il y a crime ou suicide. Belle journée, monsieur. Très belle, oui. Allez, Tom, mon bal, grouille-toi vite. Ah, je ne peux parler plus vite que l'eau dure. Robinet. Tu fais des pointes maintenant? Non, pas encore, monsieur. C'est le ballet de Tabarin qui a répété cette nuit. Oui, je crois que je connais le maître de ballet. T'es encore emmené de femme ici cette nuit. À quoi ça, je te jure, mon vieux, alors... Mais j'étais noir, mon vieux. Oui, avec ta manière de distribuer les cartes de visite, c'est elle qui t'en ramenait. Peut-être. Écoute, permets de te noircir pendant que je passe des nuits blanches. Ah ah, baccarat. Et tu as gagné? J'ai gagné la certitude que je n'avais pas de veine. Combien as-tu perdu? Je ne sais pas. Tant que ça? Et tu avais tout cet argent sur toi? Oui, j'ai émis des bons, j'ai fait comme l'État. Sauf seulement l'État lui a 25 ans pour rembourser. Tandis que moi, j'ai jusqu'à ce soir. Oh, bah t'en fais pas, tout s'arrange, tu sais. Oui, tout s'arrange, mais mal. Allez, maintenant, je t'ai assez vu. Hein? Fous le camp. Pourquoi t'attends une femme? Non, monsieur, pas une femme, ma fiancée. Ah, Liliane, oui, ça, elle est charmante. Liliane, mais je comprends. J'ai hâte de la revoir. Quel ange. Et quelle dot. 200 millions. À partir d'aujourd'hui, aucune femme dans la ici, tu m'attends? Alors, c'est fini, la vie de garçon. C'est terminé, il y a 15 ans qu'on essaie d'enterrer. Mais cette fois, c'est définitif. Tu sais, je l'étrangler de mes propres mains. Bon, alors tu laisses tomber un ami. Un ami? Un ami qui fume mes cigarettes? Un ami qui me chipe mes maîtresses? Un ami qui couche dans mon lit? Ha ha! Il est joli, cet ami! C'est un... C'est un bon ami. Je veux parler à monsieur Laurent. Et je lui parlerai. Immédiatement. Qu'est-ce que c'est que ce chéri? C'est sûrement le propriétaire qui vient encaisser son loyer. Propriétaire? Non. Le joaillier. Oh, il vient réclamer son argent. Bonne idée. Nous sommes sortis. Mais l'eau du bain est bouillante, monsieur. J'ai l'impression que ça va prendre une douche froide. Oh, ça m'a rappelé bien bonne. C'est un automobiliste sur une route. Il y a un cycliste qui veut le doubler. Vous savez. Alors... Assis. Bien, monsieur. Oh, j'y suis. Je ne lui ai jamais payé le bracelet en diamant que je voulais offrir à Liliane.
Eh ben, t'as qu'à le lui rendre. Ça m'est difficile. Je l'ai vendu ce matin. Monsieur est sorti. Alors c'est sa tête qui se promène seule derrière les fenêtres? On verra ça. Vous jouez à cache-cache, messieurs? Comment ça va? Ça va bien? Mon argent! Vous voyez bien que je ne l'ai pas sur moi. Vous osez me dire ça en pleine figure? Et voulez-vous que je vous le dise? Je vais vous signer une traite. On ne collectionne pas les autographes. Dommage, il a de belles signatures. Écoutez, monsieur Lombardi, vous me connaissez, n'est-ce pas? Trop. Oui, mais donnez-moi encore un petit peu de temps, n'est-ce pas? Un peu de patience et puis je vous payerai. Impossible! Je marie ma fille demain. Ah oui. Hein? Et vous voulez marier votre fille avec mon argent? Quel âge a-t-elle, cet enfant? 40 ans. Ah, alors sa vertu lui pèse. Eh bien, mon ami Henri peut s'en charger. Ah non, pas possible. Je suis très pris en ce moment. Je vais deux pas chez votre père. Il vous fera passer par la fenêtre. Et vous tomberez mal parce que son bureau est au 8e étage. N'oubliez pas votre parachute. Faites un peu quelques exercices avant. Alors, je vais chez le juge. C'est un charmant garçon. Encore une chaînette de 300 francs qu'un individu m'a escroqué. Il lui a collé 2 ans de prison et 60 000 francs d'amende. Le loyer est cher à la santé. Calculez vous-même ce que ça vous coûtera pour un bracelet de 900 000 francs. Je suis nul en mathématiques. Au revoir, messieurs. Au revoir. Ma maison n'est ouverte que jusqu'à 6 heures. Mais le commissariat de police l'est toute la nuit. C'est une compensation. On ne vous a jamais dit que vous aviez de beaux yeux? Si, un soir, un monsieur pendant le blackout. Hein? Oh, ça me rappelle une bien bonne. Ce sont deux amoureux qui ne... Hein? Il marche au but à gaz. Il faut que tu gagnes de l'argent. C'est nouveau. Peux-tu me prêter quelque chose? Oui. Les 50 000 francs que je voulais t'emprunter. De l'amitié me touche. Alors va chez le vieux le fou. Mais tu sais bien qu'il n'y a pas quelqu'un à Paris à qui je ne dois pas de l'argent. Oh, une idée. Laquelle? Ton père. Mon père. Complètement idiot. Oh, que je n'oublie pas. Dis donc, j'ai fait la connaissance d'une jolie rousse, une jeune détective, tu sais. À propos, je l'ai invitée, tiens. Mais alors, file chez toi. Ah, non, non, viens chez moi, viens chez toi. Quoi? Ah non! À cette fois, je refuse catégoriquement. Enfin, elle vient pas chez toi, puisqu'elle vient chez moi. Enfin, ton tournant chez toi. Elle est... formidable. Ouais. Comme la dernière, celle du... Ben, écoutez, je te promets, aussitôt qu'elle arrive, je m'en vais. Tu n'en as pas invité d'autres, au moins, hein? Ah, ça, j'espère que non. Je sors. Oui, mais le bain de monsieur est encore chaud. D'accord, chaud. Alors sucrez-le et buvez-le. Bien, monsieur. Ah, tom, tom, tom. Que je vous dise, une jeune dame va demander monsieur Laurent. Alors, vous la faites entrer, hein? Et certainement, monsieur. Oh, je n'ose pas vous donner de pourboire, monsieur, parce que le pourboire, ça a quelque chose d'humiliant, vrai pas. C'est humiliant pour celui qui le donne, mais jamais pour celui qui le reçoit, monsieur. À condition qu'il soit d'importance, bien entendu. Ah, oh, ça me rappelle une bien bonne. Oh, imaginez-vous, c'est une dame qui est dans un restaurant. Et alors, il y a le garçon. Le garçon qui apporte le potage. Il prend la louche. Et alors, il va pour servir. Et alors, à ce... Décidément, les jeunes gens d'aujourd'hui ne savent plus rire. Oh, 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 coucou. Coucou. Voyez, c'est exact au rendez-vous. Mais c'est parce que je me suis trompée d'heure. Oh, c'est charmant chez vous. C'est pas que c'est charmant. Évidemment, vous ne vous attendiez pas à me voir. Mais une jeune femme hésite toujours à être derrière. Ah, ça, je m'en doute. Et vous savez, moi, je suis détective. Alors, j'attends de danser. Oh, enfin, dites-moi quelque chose. Eh ben, voilà. Vous avez beaucoup bu hier soir. Ah, ça. Mais vous savez, vous êtes très sympathique, à jeun. Ah, oui, ça m'arrive tellement rarement. Oh, que... tant mieux, tant mieux. Voilà, cette chasse m'a donné le soir. Ah, vous étiez à la chasse? Oui, chasse à l'homme, mon cher. Figurez-vous que mon ami et maître, Shylock Holmes et moi, nous sommes sur la piste du fameux Willy le boxeur. Quelle piste? Et vous n'avez jamais peur? Peur? Oh, mais enfin, mon petit voyou. Est-ce qu'un homme peut me résister si je fais... ça? Frais et sans frais. Drôle de jeu de mots. Oh, ça me rappelle une bien bonne. Ces trois inculpés qui sont interrogés par un juge qui a les yeux qui se croisent les bras. Alors, il leur dit... Oui, on a sonné. Oh non, il leur dit pas ça, moi, c'est vous, il leur dit. On a sonné, courez. Bien, monsieur.
aucun sens de l'humour, cette jeunesse. Voilà. Alors, à vos amours, Bob. Hein? Appelez-moi Kiki, puis je dirai Bob. À vos amours, Kiki. Vous êtes un petit malin, hein? Oh, vous avez tout organisé pour que nous soyons tout seuls. Quel flair. Flair professionnel. Oh là. Oh, qu'est-ce que j'ai chaud, là. Oui, votre corsage baille. Oui, c'est parce qu'il s'ennuie. Vous permettez que je vous l'enlève? Oh, jamais. Oh, mais c'est très mal d'embrasser une femme sans défense. Non, non, non. Mais qu'est-ce que vous faites? En redressement. La voiture de monsieur devant une porte cochère. 200 francs d'amende. Bon, bon, je descends et j'enlève la porte cochère. Prenez l'aspirateur, mon amour. Non, pas vous, monsieur l'inspecteur. Entendu, comptez sur moi. J'arrive. Vous connaissez le jeu de la prune? Non. Oh, c'est très amusant. Ah. Voilà, je mets les mains sur deux prunes. Mmh. Une entière, une écrasée. À vous de deviner dans quelle main se trouve la prune entière. Ah, c'est trop. Alors, le perdant doit enlever une pièce de ses vêtements au choix du gagnant. D'accord? Ah oui, oui. Tournez, tournez. Bon. Allez-y. Entière. Écrasée. Ôtez, ôtez d'abord. Et portez la veste. Ah bon. Mais toute seule parce que mes mains sont sales. Bien. Alors, commence. Ah oui, ah oui, c'est trop drôle. Allez, tournez. Allez-y, salut. Écrasée. Ah non. Entière. Oh. Alors, enlevez. Enlevez. Ben, un soulier, tiens. Oh, écoutez, ça m'agace, ce jeu, c'est idiot. Il y a toujours moi qui enlève quelque chose, alors. Oh, oh. Ça casse un tien, oh là là. Oh. On joue. On joue. Titine, Kiki. Titine, Bob. Bonjour, madame René. L'auteur Méjour est là. Je peux le voir? Bien sûr, il va être ravi d'embrasser son fils. Ah, oh, il m'aime tellement. Il me reproche simplement de ne pas venir le voir assez souvent. Monsieur, votre fils désire vous voir. Dites-lui que c'est un heureux crétin. Le déshonneur de mon nom, de son nom. La honte de la triste génération actuelle. Et que s'il y avait un syndicat de jeunes vauriens, il en serait le président. Dites-lui que je lui défends de remettre les pieds chez moi. Et qu'il ira mendiant. Il ira tendre la main dans les rues où il ne passe personne. Il n'oublie rien de le flanquer dehors à coups de pied dans le derrière. Et que je lui donnerai une gratification pour ça. On rejoue. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Voilà la montée, alors là, je l'ai vu. Ah ben, ça m'étonnerait. Tiens, elle est là, entière. Oui, tiens, il n'y a rien du tout. Et là, il n'y a plus rien du tout. A vu, a vu, a vu. Ça me fatigue, donc j'avais gagné. Chut, attention, attention. Ne casse pas le verre, fais-tu? Là. Oh, j'ai sommeil, alors. Oh, mais tu sais que à côté, il y a un petit salon. Nous pourrions peut-être. Hein? Ah, Bob. Mais non, pas Bob. Je m'appelle Henri. Écoute, d'abord, je suis ici. C'est mon ami Bob. Je suis ici, moi. Tu comprends? Ah oui? Oh, mon amour. Oh, oh. Écoute. Écoute, viens. Viens. Pardon. Viens à côté, veux-tu? Bob. Mais non, pas Bob, Henri. C'est énervant, là. Pauvre Henri. Je sens que j'étais mise toute ma vie. Oh, ah, chérie. Oui, oui. Dis donc, tu es fidèle. Voilà au prix. Ah! Viens, mon amour. Viens, mon chéri. Et reste debout, je t'en supplie. Ah, non. Quoi? Ah, non. Oh, non. Hein? Là, 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 t'exagères. Tu me trompes déjà. Mais... Laisse la photo de ta Titanic traîner. Enlève-la. Oh, enfin, oh, écoute, c'est mal. Tu viens de briser la photo de la fiancée de Bob. Ah, Bob. Hmm? Oh, tu me plais, tu sais. Oh, bah, tant mieux. Bah, c'est les marmes. Viens, je vais... Oh, 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 viens, viens, oh, viens. Oh, chère, chère, le docteur! Mais reste tranquille, enfin, écoute! On va pas tuer, Bob! Oui, alors fais de beaux rêves! Écoute, hein? Tu sais, je bois, oh là là! Alors, bye! 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 Monsieur Laurent, mais vous sortez? C'est pour la pause, vous savez. Ah non, ça, monsieur Laurent est sorti. Quelle blague! Et la carte de visite? Je vais aller me préparer pendant ce temps-là. Eh ben, c'est ça, vous préparez. Mais monsieur Laurent, c'est moi. Ah non, comment c'est lui? Alors, c'est une à lui ou il est à moi? Je ne sais plus. Quelle pagaille. Je viens de payer une contravention de 200 francs pour la voiture de monsieur. Ah bon? Où est la voiture? Mais elle n'est plus là, monsieur. Elle a déjà été saisie par un huissier pour 200 000 francs. Bon, alors je vais chercher un taxi. Bonjour, monsieur Tom. Bonjour, madame. Le petit Bobby va bien. Merci. Pour monsieur Laurent, s'il vous plaît, je suis masseuse. Au premier, madame. Merci. Une masseuse. Une masseuse, mais pourquoi faire? Mais la masseuse, écoutez, mademoiselle. Mais vous, quelle personne?
vous laisser entrer n'importe qui. Maintenant, c'est fini. Plus personne. Compris? Mademoiselle, qui demandez-vous? Monsieur Laurent, c'est lui qui m'a dit de venir. Mais c'est impossible. Bah, voici sa carte, il m'attend. Monsieur Laurent n'attend personne. C'est-à-dire qu'il attend quelqu'un. C'est pourquoi je vous dis qu'il n'attend personne. Qui est donc cette personne qui refuse de se réveiller? Écoutez, mademoiselle, je regrette, mais je ne sais vraiment pas où vous mettre. Ça m'est égal, je vous répète que je ne m'en irai pas d'ici avant d'avoir vu Bob. Encore une. Bonjour, Tom. Oh, bonjour, mademoiselle Liliane. Excusez-moi, mademoiselle, mademoiselle Harrison. Vous avez l'air tout surpris de me voir. Non, pas du tout. Non, au contraire. Nous sommes très flattés, très heureux. Et c'est monsieur qui va être content. Seulement, c'est dommage, il est absent. J'attendrai au salon. Oh non, non, pensez-vous, il est dans un tel désordre, oui. Oui, nous avons travaillé toute la nuit. Nous avons déchiré toutes les vieilles lettres, liquidé le passé. Nous pouvons nous marier, la conscience tranquille. Mmh. Et pourquoi m'avez-vous reçu avec ce gris? Encore une. Il y a eu des visites. Oh, pensez-vous pas du tout? Oh non. Ah, c'est une... Oh, toute petite... Oh, c'est un petit... Mais non, les émeutes. Certainement la personne qui s'est trompée d'étage. Hein? Voulez-vous me donner de l'eau chaude et du talc? Et pour moi, deux aspirines. Vous êtes masseuse? Diplômée. Et qui voulez-vous masser? Monsieur Laurent. Tiens, tiens. Hier soir, j'étais en train de masser Ritarina. Vous connaissez la danseuse nue? Monsieur Laurent a admiré mon travail. Et... Sortez et en vitesse. Mais je ne masse pas les hommes. Alors? Mais il m'a dit qu'il avait une grand-mère qui... Oh, une grand-mère. Sortez. Sortez ou j'oublie qu'on m'a élevé au Sacré-Cœur. Oh, 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 quelle toile! Quelle concurrence aujourd'hui! Elle vient d'arriver. Mais la jeune personne de Monsieur Henri dort toujours. Non, elle nage. Oh. Liliane, mon amour. Ah, te voilà, toi. Et en peignoir de bain encore. Ah, ben, en somme, je suis arrivée un tout petit peu trop tôt. Je comprends maintenant l'histoire de la masseuse. La masseuse? Oui, la grand-mère, Ritarina, etc. Ritarina? La grand-mère masseuse? T'es souffrante? Écoute, tu m'avais juré de ne plus jamais recevoir de femme ici et je viens d'apercevoir... Non, oh, une... mais tu veux parler de la baigneuse. Oh, écoute, masseuse ou baigneuse, je t'en prie. Oui, enfin, admettons, masseuse ou baigneuse. Liliane, voilà, je voulais prendre un bain et je ne savais pas que cette jeune personne voulait en faire autant. Oh, tais-toi, tais-toi. Je sais trop bien que la commère de François t'a surnommé Divan le Terrible. Oh, le Terrible, ça, c'est un peu exagéré. Mmh. D'abord, écoutez-moi, cette fois, je n'y suis pour rien. Mais alors? Ah, ma photo par terre, ma photo déchirée, piétinée. Non, non, non. Monsieur, ce n'est rien, n'est-ce pas? C'est un courant d'air, puis ces cadres sont si fragiles. Un coup de vent, est-ce? Un coup de vent. Un coup de vent. Eh bien, ça va être la tempête maintenant. Ah, oh, vous êtes tous des hypocrites, c'est fini, tu entends, c'est fini. Oh, je suis malheureuse, moi. Oh, mauvaise journée. Non, mais écoute-moi, Liliane, chérie, tout ce qui arrive, c'est de la faute d'Henri. Il a l'habitude de se servir de mes cartes de visite et de profiter de mon crédit. Tu as encore du crédit? Allez, ne parlons pas des choses qui fâchent, allons. J'étais venue pour t'en apporter, moi. Oncle Édouard est mort. Non. À 102 ans. Oh, c'est vécu, alors. Il nous a laissé sa propriété de Cannes et toutes ses actions du Transvaal. Oh, ce sont les seules bonnes actions de sa vie. Liliane, si tu savais comme je t'aime. Je suis heureuse. Et moi donc. Tu vois comme tout change, hein? Il ne reste plus qu'à nous débarrasser maintenant de la petite d'Henri. Ah, c'est pas la peine, c'est fait. Comment ça? Ah oui. Aïe, Bob. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Aïe! Tu as entendu? C'est une femme? Non. Et c'est toi qui l'appelle? Bob! Encore une! Oh. Il y en a ici dans tous les coins. Écoute, écoute, cette fois c'est fini. Je te rends ta parole et ta bague. Oh, ta bague, tiens, adieu! Liliane! Partez. Quelle journée? C'est la série. Bon. Liliane! Liliane!
Je vais te corriger la surface. Vous en faites un fou à vous. D'abord, qu'est-ce que vous faites là? Ça, alors c'est le bouquet. Vous baladez presque nu, vous couchez dans les meubles et vous me demandez si... Sachez, jeune homme, que je suis ici chez monsieur Bob Laurent. Et c'est à moi que vous dites ça, à moi. Et d'abord, qui êtes-vous, au parleur? Un propriétaire d'appartement qui regrette d'en avoir un. Et on ne vous expose pas dans les foires? Oh, je sens qu'il y a une terrible vocation d'étrangleur. Ah, voilà. Vous entendez? Quoi? Ne me touchez pas. Je ne plus. De brut. Hein? Quoi? Tu oses lever la main sur ma fierté? Hein? Harry! Hâte-toi de mon regard, sinon je vous étrangle tous les deux comme des poulets. Oh, il est fou, secours, oh, police. Oui, viens, le taxi nous attend, viens. Il te conduise à la morgue. Non, attends, reste encore un petit moment, tu as oublié quelque chose. Moi, j'ai oublié quelque chose, hein. Ah, alors toi, hein, tu as des amis. La prochaine fois, tu trouveras une autre poire pour ton jeu de la prune. Oui, mais je sais pas du tout ce qu'il veut dire. Ah, mais... oui. Bonjour, madame. Voilà. Hein? Voilà. Quoi? Elle est à toi. À moi? Fonds d'un foyer avec toutes les deux. Et ne remets plus les pieds ici. T'as compris? Oh, mais quelle est cette femme? Tiens, ta conduite à la qualification. Oh, non, pas Oh! Il n'y a pas quelque chose à casser ici? Il n'y a pas quelque chose à casser? Oh! Je sens que je vais faire un malheur! Prenez celui-ci, monsieur, ce sera moins salissant. Tom, si monsieur Harry remet les pieds ici, tu lui loges une balle dans la tête. À la tête, bien. Tom, tire à bout portant! Pas de gardien! Ça m'est totalement impossible, monsieur, pour deux raisons. La première, c'est que je n'ai pas d'armes. Et la seconde, c'est que c'est monsieur votre père qui entre. Ah, mon cher fils! Mon cher papa! Dans mes bras! Oh, ça alors? Étonné, n'est-ce pas? Ben oui, parce que ce matin, tu avais pris ta grosse voix, n'est-ce pas? As-tu des soucis? Oh, incroyable! Tu sais, c'est très difficile de savoir à la fois gagner des millions et les dépenser. Oh, mais je suis là pour te seconder, papa. Oui, oui, je sais. Tu fais toujours des folies, hein. Oh, mais il faut que jeunesse se passe, moi, l'argent. Est-ce que ça compte, ça, l'argent? Cette chose méprisable. C'est drôle, on entend dire du mal de l'argent que par ceux qui en ont. T'as de la chance d'avoir un père qui puisse se payer le luxe d'avoir un fils tel que toi, hein. Je t'ouvre mon compte en banque en même temps que mes bras. Tu es souffrant, papa? Ton compte en banque et tes bras? C'est avec joie que je me précipite dans les deux. Je suis un bon papa. C'est ma maladie. Et comme je ne connais même pas le chiffre de ma fortune... C'est comme moi, je ne connais même pas le chiffre de mes dettes. Je n'ai qu'un désir, te voir épouser Liliane. Et moi aussi. Bon, pour une fois, nous sommes d'accord. Ah, quelle fille, cette Liliane. 200 millions de dots. Et elle hérite encore 100 millions. Alors, à quand le mariage? Dans un mois, je crois. Cette chère petite Liliane, elle est si gentille. Dire qu'elle se marie dans un mois. Oui, mais pas avec moi. Ne blague pas. J'ai le cœur faible. Je ne plaisante pas. Tiens, voilà sa bague de fiançailles, vous l'a envoyée sur la figure. Oh, oh, c'est incroyable. Jeter une bague d'une pareille valeur sur une tête comme la tienne. Alors tu ne te maries pas. Ça me sera difficile. Alors je t'ai apporté mon argent et ma bénédiction pour rien. Écoute, papa, moi, j'ai besoin de ta bénédiction. Oh, tu n'es qu'un... Oh, j'ai tout, tiens. 300 millions de perdus. Mais ma bonté a des limites. Tu n'as plus de père. Oh, oui. Raté. Oui, il a raison, je suis un raté. Monsieur, j'ai quelques économies. Je n'ai pas l'habitude de prêter de l'argent, mais pour monsieur, je ferai volontiers une exception. C'est un chic type, non, je te remercie, je n'ai besoin de rien. Tu peux aller au cinéma, je veux être seul. Bien. Ah, j'oubliais, j'ai une lettre pour monsieur. Bonne nuit, monsieur. Vendredi 13. Réglé d'urgence, autrement expulsion du club. La série noire continue. Fini. Plus de crédit, plus de père, plus de fiancé. Mmh.
quitté ma vie. Qu'est-ce que vous cherchez ici? Je cherche l'Afrique. L'Afrique. Si vous le permettez, je vais chercher avec vous. J'ai une dizaine aujourd'hui, quelle série. À qui le dites-vous? On pourrait serrer la main. J'en ai aucune de disponible. Et la vôtre est occupée. On m'avait dit que vous n'étiez jamais à la maison le soir. Quel salaud cet indicateur, je vais lui casser la gueule. Oh. Quelle époque, hein. On peut avoir confiance en personne. Parce que vous avez des indicateurs. Faut bien. Comme la police. C'est les mêmes, d'ailleurs. La police. Mais ça me rappelle quelque chose. Vous permettez? Laissez-moi filer en douce. Si vous appelez les flics, on se retrouvera à la sortie. Mais c'est vous qui périez, parce qu'une vie comme la vôtre, pour mon standing, c'est zéro. Je suis Willy le boxeur. Willy le boxeur? Neuf évasions. L'ennemi public numéro un. Des vedettes, quoi. Ça doit vous gêner de rester comme ça, hein? Asseyez-vous. Asseyez-vous. N'ayez pas peur, asseyez-vous. Vous êtes sympa, vous. Un cigare? Corona? Figurez-vous qu'une nuit de business chez Rothschild, je suis tombé sur des voltigeurs. Vous vous rendez compte? Vous aurez plus de chance la prochaine fois? Oh non, monsieur. Dans notre métier, on visite pas deux fois le même client. On n'est pas des commis voyageurs. Permettez? Pardon. Vol? Voltaire? C'est bien la première fois que je peux avaler quelque chose de ce type-là. Dites-moi, vous tuez facilement, vous, hein? L'habitude. Mais vous savez, à notre époque, les savants, qu'est-ce qu'ils peuvent nous rendre comme point? J'ai une affaire à vous proposer. Dans mes cordes? Il s'agirait de tuer quelqu'un. Ah, un petit meurtre? Bah, pendant la crise, on accepte aussi les bagatelles. Qui c'est que je dois zigouiller? Moi. Vous rigolez? Ah non, j'en ai pas envie. Avant votre arrivée, j'allais me suicider. Vous êtes devant vous un ratatinet. Mais j'ai 7 millions de dettes. Eh ben, ces gens chics, ça ne s'en refuse rien. Mais je n'ai à mon actif qu'une assurance de 8 millions. Alors si je me tue, l'assurance ne payera pas. Mais si quelqu'un me tue, vous en l'occurrence, l'assurance paiera. Et puis par testament, je pourrais régler une certaine partie de mes chèques sans provision. Vous voyez qu'en me supprimant, vous faites encore... une bonne action. Ah, je demande à réfléchir. Un bon mouvement, allons. Ah. Non, franchement, ça m'embête. Oh. On est là tous les deux à causer amicalement et puis... Oh, mais soyez gentils, allez tuer moi. Mais je voudrais bien vous rendre service, mais je peux pas. Je suis pas en train du tout. Mais forcez-vous un peu, peut-être que ça viendra. Dans le fond, je suis un grand sentimental. Votre gentille réception, le cigare, la liqueur, cette tranquillité. Ah, vous voyez, alors faites-moi ce plaisir. C'est dans les moments les plus pénibles qu'on reconnaît les vrais amis. Et puis un coup de pétard, c'est si vite donné. C'est sérieux? Vous y tenez? Oh, si, j'y tiens, tenez. Voilà 30 000 francs. C'est tout ce que j'ai. Il y en a 200 000 qui seront chez mon notaire. Et qu'on vous réglera le jour où où je serai... Ah, vous êtes un type extraordinaire. Oui, oui. Mais enfin, les affaires sont les affaires. Voilà, oui. Mais dites donc. Quoi? Si je vous descends après, vous m'en voudrez pas, parole d'homme? Parole d'homme, puisque c'est moi qui vous le demande. Eh ben, c'est décidé, je ferai comme vous dites. Ah, à la bonne heure, vous devenez raisonnable. Et puis si je manque de courage, je vous enverrai quelqu'un. Oui. Hein? En tout cas, si après-demain vous êtes encore en vie, vous pourrez me cracher à la figure. 48 heures, dernier délai. Oh, oui. Vous pouvez pas vous imaginer combien vous me faites plaisir. Ne vous en faites pas, je vous descendrai à l'improviste. À l'improviste? Enfin, moi.
Vous un de mes hommes. Non, quelle délicate attention. Oh, monsieur Laurent, je suis bien content de vous avoir connu. Ah, tout le plaisir pour moi. Allez, dormez bien. Oui, oui. Et où allez? C'est la fenêtre. Si passez par la porte. Ah, pardon, l'habitude. Ça ne vous dérange pas de me poster cette lettre en partant? Merci. Là, là. Bonne dernière nuit, monsieur. Laurent. Il est charmant, cet homme. Hein? Quand tu liras cette lettre, j'aurai quitté ce monde. Trop de déceptions et de malchance m'y auront poussé. Mais sache, ma petite Liliane, que je ne t'ai jamais menti et que je t'aimais. Alors vous voyez, Liliane, que Bob était complètement innocent. Mais naturellement, j'ai été stupide hier. Oh, je pense que tout ça, c'est de ma faute. Oh. Allô, allô, le bureau de Monsieur Laurent Père. Oui, c'est personnel. Allô, Monsieur Laurent, ne quittez pas. Allô, Monsieur Laurent, oui, c'est Liliane. Je viens d'apprendre que Bob est perdu. Mais moi, je le sais depuis toujours. Oh, mais il faut le sauver, voyons. Hier, j'étais en colère, mais je veux l'épouser. Épouser? Oui, mais bravo, mais ça change tout. Je ferai un saut chez lui. Mais tout de suite, voyons, c'est urgent. Après la bourse, naturellement. Bon, merci. Oh, mes enfants, quel amour de père, mon beau-père. Oh, je vais m'habiller. Moi, je ne vis plus. Ça me coupe tout. Tout. Oh, ça ne répond pas chez Bob. Non, non. Ah, je vais téléphoner à Sherlock Holmes. Oh, c'est occupé. Ah bon? Oh, alors. Il manque un peu que ça, alors. Oh. J'ai plus envie de rien, moi, de rien, rien. C'est toi, Tom, qu'est-ce qu'il y a? Mais nous sommes demain, monsieur. Et je remettais le foulard de monsieur. Merci, Tom. Je sers le petit déjeuner sur la terrasse, le temps est splendide, monsieur. Je souhaite un bon appétit à monsieur et après un bon sommeil. Le dernier. Ah, le dernier? Oui. Monsieur s'exprime par énigme. Somptueux, ce déjeuner. Ah, voici la tradition. Les condamnés à mort ont droit à double ration. Assieds-toi, Tom. Oh, si, 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 assieds-toi. Il faut que je te parle. Voilà. Tu sais que je t'aime beaucoup. Oh. Tu es congédié. Oui, oui, tu es congédié, oui. Aussi, je te ferai un certificat attestant que tu as toujours été un très bon serviteur. Oh, si monsieur me congédie, c'est que certainement monsieur part pour un très long voyage. Le grand. Le grand. Monsieur semble bien nerveux. C'est lui. Allô? La clinique de Courbevoie. Hein? L'enfant est né. L'enfant est né. L'enfant est né. Il est né, oui. Mais vous vous trompez, ici on ne donne pas la vie. On la perd. Monsieur n'a plus besoin de rien. Non, non, ça va très bien. Très bien, oui. Ah, aussi. Si des fois il se présentait un individu à mine patibulaire et suspect, tu la serais rentré. Ou encore mieux, tu ouvrirais à deux battants portes et fenêtres. À deux battants? Deux battants, oui. Je m'en pardonne, monsieur, mais est-ce que monsieur n'apercevrait pas par moment des mouches? Vous savez, des petites mouches. Des petites mouches? Oui. Dis-moi, Tom, hein? Tu devrais voir un spécialiste. Un spécialiste? Oui. Des mouches. Tom! Tom! Monsieur? M'a sonné. Oui. C'est elle. Elle, qui elle? La mort. Hein? Ça entend. Dis-moi, je peux avoir confiance en toi? Ben oui, monsieur. Je m'occupe qu'il me sert, n'est-ce pas? Hein? Oh. Voilà, si... s'il m'arrivait quelque chose, si je venais à mourir, tu m'étendrais sur mon lit. Bien habillé, bien cravaté. Et surtout bien coiffé, les cheveux en arrière. J'ai horreur d'avoir les cheveux sur les yeux. Ah, oh, moi aussi, monsieur. Oui, oui. Oui. Courage. Oui. Bob! Oh, mon amour! Oh, j'ai eu si peur. Oh, Dieu merci! Tu es vivant! Ah, alors vous, vous en avez des idées. Kiki m'a tout raconté, tu sais. Je te pardonne, Bob. Ah, t'as pas tout quoi? J'ai tout arrangé. Alors, embrassez-nous. Mais volontiers. Ah, non, pas toi. Hein?
Moi, je me crois déjà au paradis. Et j'ai de très bonnes nouvelles pour toi. Tu te souviens de Robert Lescaut à qui tu avais prêté 300 000 francs il y a un an? Je comprends. Il était parti sans laisser d'adresse. Eh bien, il est revenu. Non. Oui, il est revenu et il m'a prié de te remettre ce chèque. Sans blague. Quant à ton papa, je lui ai raconté que nous nous marions. Il te donne tout son cœur. Mais pas un sou. Mais tu vois, les bonnes nouvelles, ça s'arrose. Hein. Tom, Tom, du champagne, champagne pour tout le monde. Allez, moi, je suis heureux, moi. Moi, je hurlerai. Vous n'êtes pas heureux, vous? Oh, oh, si, si, si. Oh, on se marie, moi, prochain. Voilà, à la vie. À la mort. Alors, passe-moi ici. Oh, hein. Mon amour. Touchant. Ah, justement, j'ai besoin de toi. En renfort? Non, il me faudrait 5 verres. Bon, monsieur est trop aimable de m'inviter, mais je n'oserais jamais boire avec monsieur. Mais aussi, je ne t'invite pas. C'est pour mon père. Ah, bon. Oh. Imaginez-vous, ça me rappelle une bien bonne. Allez-y, nous écoutons. Oui. J'adore les histoires. Ah, oui, c'est très drôle. Mais c'est un ivrogne qui rentre chez lui la nuit. Le gars, le lieu de moi, n'est-ce pas, est très ivre. C'est très amusant. Et là, il y a sur la route, il y a deux cyclistes. Il y a donc un phare à gauche et un phare à droite. Un phare à droite et un phare à gauche. C'est ça, un phare à droite et un phare à gauche. Oui, 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 oui. Et alors? Il ne brogne pas. Avec le phare à droite, le phare à gauche. Et alors? Monsieur m'excuse. Je ne m'en souviens plus. Mes chers enfants, père. Mon cher enfant, ma chère enfant. Alors, à quand le mariage? Ah, toi, Liliane. Appelle-moi papa. Oui. Maintenant que tu as des parts dans la famille, tu as aussi des obligations. Votre fiancé, Henri? Oui, que je vous présente. Kiki Marshall. Marshall, attendez donc. Il me semble avoir reconnu votre père. Oh, intéressant. Moi, pas. Dis-moi, mon petit. Oui. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, tu sais, si tu as besoin d'argent, ne te gêne pas. Tu connais mon bon cœur. Oh, une vraie machine à calculer. Monsieur permet. Pardon. Ah, tiens, chérie. Tiens, mon petit. Tiens. J'étais certaine que la journée serait bonne. Vous vous souvenez, Liliane? Nous avons croisé un corbillard. Un corbillard! Ça ne va pas, Bob. Qu'est-ce qu'il y a? Le contrat. Le contrat. Quoi, quoi, le contrat? On va le faire, le contrat. Liliane est d'accord. Oui, mon amour. Ne te tracasse pas pour notre contrat de mariage. Voyons, qu'est-ce que tu as? Un contrat avec la mort, oui. Oh, mais... Liliane, je ne peux pas t'épouser. Oh, qu'est-ce que tu dis? Mais quoi, quoi, quoi? Mais il est pris de malade, je ne sais pas ce qu'il a. Vous ne pouvez pas comprendre. C'était si bien. C'était si beau. Toi, papa, tu peux reprendre ton argent. Quant à toi, ma petite Liliane, quel avantage aurais-tu à m'épouser? Tu deviendrais ma veuve et ma femme le même jour. Oh, elle délire, c'est épouvantable. Lâche-moi nous voir. Oh, mon Dieu, j'ai la fièvre. Oh, Dieu, tu es chaud aujourd'hui, tu sais. Parce que demain, je serai refroidi. Mais qu'est-ce qu'il a? Explique pas, enfin, quoi, quoi? Papa, c'est un futur cadavre qui te parle. C'est une idée fixe. Il s'en faut de quelques heures, de quelques minutes, de quelques secondes pour que ce jour soit celui de ma dernière nuit. Ah. Sacré mille millions de tonnerres! Ah non, 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 je n'ai jamais juré de ma vie, mais je te somme de t'expliquer. Eh bien, sois papa, voilà. Tableau. Ah, 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 c'est bien toi, signer un contrat avec un assassin. Il était très sympathique. Et puis je ne pouvais pas faire autrement. Je voulais mourir. Alors j'ai sauté sur l'occasion. Oh, une occasion, oui, une occasion. De 130 000 francs. Tu aurais pu marchander. Mais je sais bien, papa, je pourrais résilier le contrat en dédommageant oui, le boxeur, l'assassin. Mais où le trouver, ce gaillard? Et s'il s'amène brusquement, maintenant, aurais-je le temps de lui parler? S'il me... Papa, ou s'il me... Voilà une autre bouteille pour fêter l'heureux événement. Veux-tu me foutre le camp? Crétin! Dors! Imbécile! Mais sortez, voyons! Non, mais un monsieur vient de téléphoner. Il se présentera tout à l'heure au sujet de l'affaire concernant monsieur. Vous voyez, ça commence? Il a dit son nom? Oh, non, monsieur, non. Il a murmuré quelque chose. Il a murmuré? C'est lui. C'est lui? En tant que détective, je connais ça. Tous les criminels murmurent. Je vais avertir la police. Je savais bien qu'il finirait mal, juste au moment où il allait amasser des millions. Des millions. Je vais voir mon maître, Sherlock Holmes. Dans les 24 heures, il arrêtera Willy Boxer. Ah, et puis je vais aussi vous chercher un garde du corps. Oui, oui, je connais un café où je trouverai un cigare. Vous verrez. Merci. Tu t'en vas aussi, chérie? Oui, mon amour. Je vais engager deux détectives privés qui surveilleront la maison. Hein? Ah, à tout à l'heure.
toi, tu me restes. Non, écoute, moi, je vais t'acheter un chien très méchant, tu sais, mais je suis là, hein. Mais je vois ça. Comment, papa, tu files aussi? Moi, oh, tu sais, moi, je suis trop occupé, non? Affaires importantes. Dans une huitaine, avec joie. Alors, adieu, mon fils, sois fort, comme ton arrière-grand-père tombé à la tête de ses troupes à Solferino. Que la mémoire de ta mère te protège. Tom, ferme les portes et les fenêtres et ne laisse rentrer personne. Il y a 30 minutes, monsieur m'a dit exactement le contraire. Oui, mais je sais ce que je dis, je ne comprends. Monsieur a bien de la chance. Je préfère mourir sans tonnerre que de me laisser assassiner. Mais... Monsieur Laurent ne reçoit pas, monsieur. L'entrée de cet appartement passe par mon cadavre, monsieur. Je suis Ross. Très heureux. Je suis... Je suis venu pour une affaire délicate. Je sais, mais je ne vous pressez pas. Asseyez-vous. Si vous le permettez, je vais m'en exécuter vite, avec le maximum de tact. Exécuter? 10 000 pour vous si vous n'exécutez pas. 10 000, hein? J'ai pour ordre de suivre aveuglément les instructions. 20 000, si vous voulez. Vous ferez celui qui ne m'a pas rencontré. 20 000, 30 000, 50 000. 50 000 une fois, 50 000 deux fois, 50 000 trois fois. Obligé. Vous plaisantez? Non, 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 je ne plaisante pas. Voilà l'argent. 50 000. Oh, monsieur, j'ai deux enfants. Et alors, ça vous suffit pas? Vous avez deux enfants? Ça vous honore, d'accord? Prenez l'argent et puis allez au diable. Vous y serez avant moi. Monsieur Henri. Bonjour. Alors ça va? Quelle maison. Oh, c'est bien que tu sois encore là. Bob, tu sais, c'est bien, mais enfin, monsieur. Ça va, Ross? Vous l'avez enfin, cette place de secrétaire du club? Oh, merci mille fois, monsieur. Grâce à vous, je l'ai eu. Ah, ah. Quoi? Hein? La place de secrétaire du club? Oui. Mais oui, mais monsieur le président m'a chargé de remettre cette lettre à monsieur Laurent personnellement, puis vous ne m'avez pas laissé parler. Moi, je ne vous ai pas laissé parler, moi. Mais quoi, il te manque quelque chose? Oui, 50 billets. Allez, donnez-moi cette lettre, rendez-moi les 50 billets. Oh non, monsieur. Allez, allez, allez. Oh non, monsieur, non, monsieur. Donnez-moi les 50 billets tout de suite. Mais non, monsieur, c'est pas possible. Donnez-moi ça, mon temps. Mais non, monsieur, je ne peux pas. Mais non, monsieur, vous ne pouvez pas me faire peur. Mais non, monsieur, qu'est-ce que c'est? Oh non, monsieur, non, 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 ça vous sert à rien. Monsieur, merci, monsieur. Harry, j'ai rien compris. Je croyais que ce petit jeune homme était envoyé par Willy le boxeur, alors je lui ai donné 50 000 francs. Ah bah, tu vois, moi, je t'aurais fait un prix d'ami. Oui, oui. Moi, c'est la première fois que je me fais assassiner, je n'ai pas l'habitude. Ça viendra peut-être. Tout ça, c'est la faute à Tom, mon valet de chambre. Il laisse rentrer n'importe qui. Où il est, Tom? Tom? Je l'ai trouvé pendu dans l'antichambre. Maman! Dites-moi, je peux téléphoner, s'il vous plaît. Au bar. Merci. Donnez-moi une spin en même temps, hein? Oui. Mademoiselle, donnez-moi Londres, s'il vous plaît. Temple Bar, 012-48. Hello, Mr. Charlotton. Ici Kiki Marshall. How are you? Miss Hilton, il s'agit d'une affaire très grave. Oui, un de mes amis est en danger d'être assassiné par le fameux gangster, vous savez, Willy le boxeur. Oh, je vous en prie, faites le nécessaire. Vous êtes le seul détective pouvant l'arrêter. Oui, mais j'en suis certaine. Alors, vous faites le nécessaire pour prendre l'avion. D'accord, je vous attends alors au Bourget. Entendu. Bye bye. Bonjour. Bonjour. Prenez un verre. Pourquoi pas. Vous êtes exactement le genre que je recherche. Sans blague.
Mais quoi, j'ai plus 20 ans. Oh, mais il y a des jeunes qui ne vous valent pas, j'en suis sûr. Vous avez de l'expérience et de la force. Oh, je me défends, quoi. Vous êtes mon homme. Je ne demande pas mieux. Ah, enfin, j'ai trouvé. Dites, vous êtes libre au moins? Provisoirement, oui. Ça vous plaira, vous verrez. Oh, mais j'en suis sûr. Et puis, rassurez-vous, vous ne perdrez pas votre temps. Vous serez payé grassement. Ah non, non, là, là, vraiment, ça me gêne. Alors, on y va? Alors quoi, elle est déjà comme ça? Mais naturellement. Alors, on n'a pas deux minutes pour boire un godet? Non, non, vous boirez là-bas. Il y a un champagne extra pour vous mettre en train. Je vous garde cet après-midi. Ah. Et vous restez aussi toute la nuit. Ah, bon. Mais, je vous préviens, il ne faudra pas vous endormir. Pas même une seconde. Promis? On essaiera. Alors, allons-y. J'en ai déjà eu des femmes pressées, mais comme ça, jamais. Sont en pleine croissance. Tu vois, c'était simplement le courrier. Oui, le courrier. Voulez-vous vivre plus longtemps? Activez vos fonctions digestives avec la pilule Actifois. Écoute, je m'en vais. Donne-moi l'argent pour le chien, je m'en vais. Non, mais je préfère que tu restes. Non, je m'en vais. J'ai pas peur, hein. Tu me connais. Oui, mais... D'ailleurs, la personne qui me fera peur n'est pas encore née. N'ayez pas peur, monsieur. C'est facile à dire. Moi, je suis prêt. Je ferai attention de ne pas faire de tâches. Mes héritiers vous en sauront gré. Je n'y suis pour rien. C'est le patron qui m'a donné l'ordre. Le patron? Je le connais. Vous ne pouvez savoir à quel point c'est désagréable pour moi. Et pour moi, alors? Je n'ai pas encore tout à fait la main. Je ne suis qu'apprenti. Le salaud, il m'a envoyé l'apprenti. Je suis jeune, mais ça ne m'empêche pas de faire du bon travail. Du bon travail? Du bon travail? Bon, oh, écoutez, finissons-en. Je ne peux pas attendre davantage. Ah, voilà le ramoneur. Bonjour, monsieur Tom. Bonjour. Le ramoneur? Excusez-moi, je suis tombé de la cheminée. Oh, jamais je n'ai rencontré un ramoneur aussi sympathique que vous. Oh, il faut que je vous embrasse. Tom, la boîte de cigarettes pour mon ami le ramoneur. J'aime pas les sonneries. Allons, sois pas timide. Cigare. Cigare. Si tu veux que je sois gentil, je suis gentil. Si tu veux que je sois vache. Je peux l'être. Mais enfin, attendez que je vous dise d'abord. Avec moi, le baratin, c'est pour après, à ta place. Mais enfin, vous vous trompez. Ah, pardon. Madame éditeur. Mais fallait le dire tout de suite, c'est d'accord. Allez, par ici, bien sûr. Ah, sois gentil avec le monsieur Taradinilon. Non. Comment non? Non, non, non. Ah, ah, alors, mais alors? Ça vous cavale après dans la rue? Et puis Tintin. Enfin, c'est lui, je suis perdu. Enfin, c'est pas pour moi que je vous voulais. Hein? C'est pour un homme. De quoi? Avec moi, c'est pas le genre de la maison, hein, zéro.
Enfin, vous avez l'air costaud. Et comme j'ai un de mes amis qui craint d'être descendu par un gangster, je pensais que vous pouviez, je sais pas, me protéger pour 3 000. Ah, mais ça change tout. Fallait dire tout de suite que c'était pas pour la bagatelle. Je te parle de pétrole, tu me parles d'allumettes. Et si c'est pour le boulot, d'accord, pour 105. Mais l'après-midi seulement, hein, parce que le soir, j'ai affaire dans une carrée qui ressemble à celle-ci comme une frangine. Des belles filles, quand même. Oh. Dommage. Alors, occupez-vous de mon ami, hein? Il va venir tout de suite. Il rit, cet assassin? Ça l'amuse beaucoup. Allez, viens, viens, viens. Viens, viens. Allez, viens, viens, quoi? Viens, viens. Mais veux-tu venir? Quoi, alors? Hercule? Ah, ça, c'est du chien de garde. Hein? Mmh. Produit d'une louve et d'un satan. Monsieur. Pas besoin de malheur, jeune homme, je suis là. Vous êtes à la police, monsieur. Si vous m'insultez, je vous cogne. Je suis ton garde du corps à domicile. Mais je ne suis pas chez moi ici. S'il prend Henri pour moi, je suis sauvé. Ils sont tous cinglés dans cette maison. Alors, où c'est que tu perches? Rue de la Paix, monsieur. Enfin, c'est bien toi, l'ami de la tordue, quel jardin potager sur la tête. Ah, si vous voulez, monsieur. Alors, c'est juste. Mais enfin, monsieur, vous vous trompez, enfin. Mais... Il le tue? Ça va très bien. Si vous forcez la porte, je tire. Ah oui, je vois ce que c'est, oui. Monsieur, on est au 3e degré. Ah, c'est toi? Où est-il? Hein? Le boxeur. Ah, le boxeur. Je ferai bien respectueusement remarquer à monsieur que, au-delà du 3e degré, très peu de maisons dans le genre de Charenton se chargent des pensionnaires. Ah, mais je ne suis pas fou, je l'ai vu. Il a baissé, vous savez qui est? Il a tué Henri. Ah, pardon. Des mouches. Hein? Oui. Des toutes petites mouches. Oh, c'est ça. Oh. Les détectives privés vont envoyer 2 inspecteurs pour empêcher les gens suspects de s'introduire dans la maison, ça. Merci, madame Moore. Oh, j'ai eu chaud, moi. Moi aussi, tu sais. Antoine, des cigarettes, s'il vous plaît. Oui, apportez des cigarettes. Mais dois-je aller les demander au ramoneur, monsieur? À qui? Non, parce que le ramoneur, ça porte bonheur. Imbécile, va chercher les cigarettes. Des rapides ou des traînes en longueur? Des interminables, évidemment, hein. Monsieur peut compter sur moi. Quant à Kiki, elle va tout faire pour arrêter le boxeur. Et quant à moi, je suis prête à mourir avec toi. Et moi, je suis prêt à vivre avec toi. Chérie, il y a une chose qui me chagrinera lorsque je serai là-haut dans le ciel, c'est qu'ici, sur Terre, toi et moi, on n'aura pas... Mon amour, tu vas trop vite. C'est-à-dire que je n'ai pas beaucoup... Écoute-moi, chérie, non. Écoute-moi, Liliane, non, mais je vais t'expliquer, voilà. Voilà. Écoute-moi, si je meurs, ton futur mari n'en saura rien. Hmm? Et si je vis, et ton futur mari le saura, parce que ton futur mari, c'est moi. Imaginons que nous venons de nous marier. Nous sommes mari et femme. Enfin, seuls. Bonjour, ma femme. Bob, tu n'es pas raisonnable. Mais toi, tu l'es trop. Mais tu as trop bu, enfin. Mais toi, pas assez. Je vais chercher ce qu'il faut. Mais tu me donnes ta parole d'honneur que tu ne feras que m'embrasser. Ma parole, mais ne viens pas me le reprocher après. Chérie, laisse ma robe, s'il te plaît. Pourquoi? Mais parce que ce n'est pas de ce côté-là qu'elle se défait. Liliane, on va enterrer la vie de garçon. Enterrer. Enterrer, c'est mon rayon. Monsieur? Monsieur Laurent, c'est le cœur en deuil et l'âme bordée de noir que je viens à vous. Vous auriez pu arriver une heure plus tard. Je comprends votre douleur. Vos nerfs semblent vous trahir. Avec ce qui m'arrive, vous ne voudriez pas que je donne dans le stoïque? Notre directeur m'a recommandé d'agir avec le plus grand ménagement. La douleur de monsieur... Douleur? Alors, monsieur, dans ce cas, ça ne marche pas. Non, 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 parce que votre directeur m'a formellement promis que la chose se passerait sans douleur. Asseyez-vous un instant, voulez-vous? Nous sommes tous classés dans le fichier du Seigneur. Nous devons mourir tôt ou alors mourir tard.
Dans ce cas, je préfère la seconde classe. Première classe. Laissez-nous faire, ne vous énervez pas. C'est facile à dire, vous comprenez, c'est mon premier enterrement. Oh, monsieur, quand je pense à ce corps, un corps joli. Il sera traité comme il se doit, lavé, pomponné, parfumé. Je suis spécialiste, je fais 3 opérations par jour. 3? Restez assis. Ne soyez pas si pressé, laissez-moi encore un peu de temps. Mais ne remettez pas au lendemain ce que vous pouvez faire le jour même. Non, ça, je ne suis pas un jour près, moi. Et d'ailleurs, vous devez bien ça à la piété. Oh, j'en dois tant déjà que... Puis-je vous demander quelle fleur vous désirez pour la tombe? La tombe? Ah oui, la tombe. Les tulipes sont modernes, les cactus sont plus durables. Je préfère les pissenlits, c'est beaucoup plus connu. Et puis quand je serai mort, je m'en fous. Vous voulez mourir? Mourir, moi? Ah non, moi je veux vivre. Vivre pour épouser la plus charmante des créatures. Je comprends vos sentiments, monsieur. Mais il y a des circonstances où l'homme ne doit pas reculer devant un petit sacrifice. Vous appelez ça un petit sacrifice, vous? Vivez, monsieur, vivez et épousez. Mais enterrez d'abord convenablement votre femme. Ma femme? Quelle femme? La vôtre, qui a quitté cette vallée de larmes. Alors c'est pour ça que... Mais qui êtes-vous, monsieur Ducorbeau? Je suis Fox, représentant de la maison Mort et Vie, entreprise de pompes funèbres. Vous êtes trompé d'étage. C'est au 3e, chez Laurence, avec un S. C'est dommage. Sur 20 000 enterrements, aucune réclamation de décédé. Et voici notre slogan. Mourez d'abord, et nous ferons le reste. Veuillez m'excuser, ce sera pour une prochaine fois. Voulez-vous me foutre le camp? Voulez-vous me foutre le camp, oui? Tombeau, monument funéraire, funérailles, arrangements spéciaux pour familles nombreuses. Merci, monsieur. Tu nous fais attendre, chérie? Oh, je n'en peux plus, je vis dans un cauchemar affreux. N'y pense plus. Ne pense plus à rien. Embrasse-moi plutôt. Tom, dans cette tenue, ma parole t'est passée sous un autobus. J'allais rapporter des cigarettes à mademoiselle quand 2 individus à mine patibulaire m'ont demandé mes papiers avec une vulgarité. Mais Tom, voyons, ce sont mes détectives privés qui surveillent la maison. Monsieur me connaît, je suis pourtant bien élevé, mais j'ai cru bon d'en frapper un violemment à l'estomac et de déposer sur la tête de l'autre un énorme pavé. Oh. Mais alors après ça, nous sommes un petit peu secoués, n'est-ce pas? Ah oui, je vois ce que c'est. Tu étais tantôt dessous et eux tantôt dessus. Oui, exactement. Oh, ça me rappelle une bien bonne imagine. C'est un boxeur, vous savez. C'est un boxeur qui est dans le... Je la connais, avec... je la connais. Hein? Vous croyez? Oh, oui, mais vous la connaissez pas avec la chute de l'hippopotame qui a perdu les bretelles. Il y a le boxeur qui est là. Je vois pas que tu jettes, mademoiselle, non? Eh bon, j'ai compris, monsieur. Impossible de placer un mot dans cette maison. Chérie, enfin seul. Que le ciel fasse que cette minute m'apporte enfin le calme. Embrassez-vous. Souriez. Crevez de peur. Avez-vous souvent des idées aussi originales que celle de vous faire assassiner? Votre père milliardaire a-t-il des avoirs dissimulés à l'étranger? Croyez-vous que Willy le boxeur soit pour ou contre le dirigisme? Que conseillez-vous pour un assassinat, un Luguet ou un Colt? Que pensez-vous de la fécondation artificielle? Contre. Pas de bon voyage. Mais je ne veux pas perdre votre vie. Ça gaille, tienne. Le maître Sherlock Holmes. Hello, dear boy. Hello, Mr. Bob. I am very glad to see you. Do you like strawberries? So long. Certainement. Mes chers auditeurs. Everybody, good morning. C'est génial. Tu as compris? Voilà, là, je comprends. Même les virgules. Mon cher assassin. Oh. Ça n'a pas de dignité. Vous n'êtes pas un gentleman. C'est bien la dernière fois que je cambriole chez vous, espèce de lavette. Mais vous rentrerez dans votre argent. Seulement, je vous tiens quitte du travail à effectuer. Et le contrat? Un contrat, c'est un contrat. Je suis pas un politicien, moi. Ah, ça, il n'a pas tort. Ben, Henri, mets-toi à ma place. Ah non, merci. Ah, non, non. Vous serez payé, voyons. Je livre en paix avec ma conscience, moi. Moi, je veux vivre, tout court. Vous ne savez pas ce que vous voulez? Je vais le dire tout de suite. D'abord, vous m'étiez trop sympathique pour que je vous refroidisse. Je pouvais pas. Je suis un honnête père de famille nombreuse et les affaires sont les affaires. J'ai cédé le contrat. À qui? Exécution assurée.
à Jacques l'éventreur. Au pays, au rivage enchanteur, tout nous parle de bonheur. Les palmiers frissonnant sous les cieux, je vous en prie, prenez mon bras pour aller jusqu'au petit bar qui fait le coin des grands boulevards. Alors, il te plaît le château de Montparnasse? Le château? Ça lui a une fameuse idée. On ne pouvait trouver mieux pour se cacher. J'ai téléphoné à papa pour l'informer de notre refuge. Et puis ici, au moins, on n'a pas à trembler toutes les cinq minutes. Je t'assure que mon parrain est un homme qui sait manier le sabre et le pistolet. Quelques pas, je vous en prie, prenez mon bras. Un taxi, mais non, allons à pied, il fait si bon. Le vent galère, moi je te dis qu'il existe. Et moi je suis sûr que c'est des bonimans. Jacques l'éventreur. Ouais, c'est pour les enfants. Pour les enfants, et les barrages de garde mobile sur la route. C'est pour les enfants peut-être. Tu l'as vu, toi, l'éventreur? Moi, non. Mais ma femme m'a juré qu'elle l'avait vu hier à minuit, il sortait du cimetière. Et qu'est-ce qu'elle fait, ta femme, à minuit, devant le cimetière? Très longtemps que je trouve que la vie est belle. Oh, t'as l'air pur. Oh non, c'est décidé. Je m'installe sur la Côte d'Azur et j'achète ce château. Oui, eh ben, il peut t'en faire cadeau parce que je te laisse, tu comprends? Moi, je pars à Paris. Bon, ça va, tout le monde prétend ici avoir rencontré Jacques l'éventreur. On couche avec un revolver sous l'oreiller. C'est une forteresse ici, c'est gay. Puis, vous savez, votre parrain, là, t'as un drôle de pistolet, hein? Oh, dis ça parce que tu es jaloux. Le prince Orloff est un grand seigneur. D'ailleurs, Kiki, elle, ne se trompe pas. Mais elle me trompe. Et tu trouves ça naturel? Mais naturellement que je trouve ça naturel. Je te l'ai dit, le prince Orloff est un véritable aristocrate. Et dans ses veines coule le sang des schnocks. Comment ils s'appellent ces cosaques? Les Raskolnikov. Voilà, les Ros... Ah, c'est heureux. Et les ventreurs? Encore 3 heures et le contrat est nul. Ce pauvre Jack a besoin de se dépêcher s'il veut m'approcher. Oh, les cactus sont en fleurs. T'as vu? Oui, ben je m'en fous des cactus. Je peux pas les sentir, tu sais comment? Moi, j'adore les cactus. Oh! Il n'aime pas les cactus. Ah! Qu'est-ce qu'il y a? Fiche. Fiche où? Là. Hein? Ah! Minute. Ça va continuer longtemps, votre histoire? Je ne suis pas l'éventreur. Oh, oh, sait-on jamais? Par ici, ma belle. Là. Mais dites, pour qui vous me prenez? Vous en avez détoupé. Elle peut passer. J'ai dûment constaté qu'elle n'a rien de masculin. D'une douceur. Ça
Ça me rappelle nuit de Crimée. C'est loin, la Crimée. 3 jours. Pour moi, c'est plus loin. C'est 30 ans d'ici. Je me rappelle soirée terrible. Duel au sabre. Viens, vous, Altesse. Quelque chose de sauvage. Mais c'est le sang. Il y a chez nous un proverbe sentimental et conjugal qui dit... N'oublie pas de frapper ta femme tous les jours, même si tu ne sais pas pourquoi. Elle, elle sait. Ça vous plaît? Je ne sais pas. Je suis troublée. J'ai le cœur qui bat. Puis-je me permettre? Mais sans doute. Oh, cœur splendide. Douce, hein. Pour une femme comme vous, un soir, ton cabaret à Petrograd, j'ai tué cousin du Tsar. Duel au sabre, avec musique tzigane, Tsar da son diable. Hop, en poésie. Comme ce doit être doux d'être aimé par vous, et d'être caressé par vos mains. Alors, il te plaît ce Cosaque? Oh, c'est toi. Oui, c'est moi, Yalov. Orlov. Orlov. Il danse comme une feuille. Comme une feuille. Feuille d'automne, oui. Les Cosaques. Quel peuple. Ce sont armes personnelles. Gengis Khan. Avec ce sabre, il a personnellement coupé 3555 têtes pendant campagne de Perse. Et il a également coupé en morceaux vieille femme de Bagdad. Il ne préférait que les jeunes. C'est amusant. Vous savez, moi, en ce moment, les histoires de sabre. Hein. Mais je ne vous mets pas le couteau sur la gorge pour écouter. Vous êtes gentil, il est gentil. Voulez-vous un verre de vodka pour vous remettre? Vodka, oui. Je vais donc sonner serviteur. Tiens, arme personnelle, j'ai un Gengis Khan, 3553 têtes. Femme vieille femme Bagdad coupée en morceaux. Yes! Mon général, j'ai inspecté tout le château. Rien de suspect. Bravo, Tom. Bravo, Tom. Oh, ça me rappelle bien, bon. C'est un juge qui a risqué qui se passait. Ça va. Ça va. Viens. Tu vas t'asseoir? Et on va te servir un apéritif. Ah, merci, monsieur. Dis-moi, mais qu'est-ce que tu as dans la musette? Ton casse-croûte? Non, non, monsieur, non. Ce sont des grenades. Ah. De ce modèle. Oula. Car avec ces engins modernes, ça peut s'enrayer, on ne sait jamais. Tandis qu'avec la grenade, oh, c'est bon, pomps. Oui. Puis démontre. Oui, oui. Mais non, tu dis que la grenade. Bien, monsieur, merci. Oui, on t'a là. Ah, oh, ah, ah, oh, ah, 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 ah. Ici, tu sais, je t'en supplie, ne sois pas pessimiste. Tu vas me foutre le trac. Vous en êtes vraiment certain, mon parrain? Mais oui, petite filleule. Oh, Jean, Jean, pauvre soeur. Jean. Jean qui, pendant 20 ans, a été mon valet. Et qui a servi mon ancêtre défunt. Mikhail Mikhailovitch Popov. Qui est mort. Tombé. Une nuit terrible de décembre, dans le duel au sabre. Ah, comme c'est romantique. Alors vous êtes absolument certain de ce que vous dites? Je le jure sur mon ancêtre, Stanislas Popovski, qui est tombé à Kiev. Nuit terrible, décembre Popov, duel au sabre. Je sais, je sais.
Moi, je savais très bien que ce ne pouvait pas être Willy Boxer. Pensez-vous, il a au moins 2 cm de moins que l'autre. Vous avez tout juste le temps de vous changer avant le souper de minuit, qui sera prêt dans 1 heure. Dans 1 heure, Bob pourra enfin vivre tranquillement. Enfin vivre, et ne plus penser à un certain éventreur. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Adieu. J'en rêve, j'ai des hallucinations. Mon Dieu. Mais non, dans la glace. L'éventreur, Jacques. Mais quel Jacques? Mais enfin, il n'y a personne, voyons. Moi, comme détective, je le vois tout de suite. Oui, enfin, il était là, dans la glace, derrière moi. Oh, mais non. Nous sommes tous surexcités, mes enfants. Assieds-toi là, nous voyons des fantômes. Il ne manque plus que ça, le fantôme, maintenant. Kiki. Vous n'avez plus qu'une heure pour prier, Jacques. Vous voyez que j'avais raison tout à l'heure. Quand je disais que je l'avais vu dans la glace derrière moi, j'ai senti sa main froide dans mon dos. Je vais faire le nécessaire. Oh, courage, chérie. Courage. Tu me laisses? Oui. Non, écoute, moi je m'en vais. Laisse-toi massacrer. Laissez-vous massacrer, moi je rentre à Paris, tu comprends? Je non, adieu. Adieu, non. Voilà. Vous n'avez plus qu'une heure pour prier. Oh! Au secours! Au secours! Mais ne lâchez-moi, écoutez! Au secours! Ne me tuez pas! Regarde! Tu vas pas te m'accrocher, Pop-Pop! Si vous saviez comme je suis seul dans la vie, savez-vous ce que j'aimerais? C'est caresser le projet d'être deux, pas vous. Non, Seigneur. Ah, non, Seigneur. Ah, vous n'aimez pas la solitude à deux? Non, Seigneur. Toujours, non, Seigneur. C'est probablement l'endroit qui vous effraie. Oh, mais ne craignez rien, vous savez, je suis là. Écoutez. Oh, aidez-moi! Aidez-moi! Hé! À moi! Allez, allez, hop! Monsieur, mademoiselle! Oh, monsieur, je vous en supplie! Vite, monsieur! Mademoiselle, dans la cave! Oui, dans la cave? Un cadavre! Un cadavre qui crie! Alors Harry, oui. Tu passes le premier. Hein? Moi je reste en démarche pour protéger nos arrières. Et s'il y a quelque chose, tu me fais Céline. Tu crois que c'est... Bon, alors, vas-y. Là, c'est là. Allez, allez, allez. Du cran, voyons, du cran. Tu crois, du cran. Délivrez-moi. Délivre-la, voyons. Délivrez-la. Alors, délivrons-la. Délivrons-la. Ouvrez-la. Ouvrez-moi. Ouvrez-lui. Ouvrez-lui, enfin. Ouvrons-lui. Voilà, vous pouvez sortir, c'est ouvert. Je ne peux pas sortir, je suis toute nue. Nue? Oh, ben tant mieux. Non, non, enfin, je veux dire, quelle cruauté de vous laisser ainsi. Tenez, mademoiselle, couvrez-vous. Oui, amie, et vous? Oui, puis après tout, hein, nous sommes entre amis. Hein? Merci, mes amis, merci, vous êtes mon sauveur. Non, enfin, mademoiselle, calmez-vous, la détective. C'est moi. Oui, mais moi je suis sa fiancée. Vous permettez? Oh, merci encore. Vous me rendez à la vie. Écoutez, mademoiselle, remettez-vous, je vous en prie. Merci, mademoiselle. Oh, enfin, mademoiselle, voyons. Moi, je suis Evelyn Florey, la fille unique du banquier Florey. Le prince Olaf m'a enlevée. Il est le chef d'une bande de gangsters. Oh, le prince demande une rançon aussi formidable que mon père serait obligé de vendre au moins 10 actions de la Petrol Company. Comme il ne veut pas, je tremble depuis 3 mois dans cette oubliette de Vétou. De Vétou? J'avais téléphoné à Charlton. Nous allons téléphoner à Charlton. Mais ma vertu est sauve. Le prince ne m'a pas touché.
amis. Je suis vraiment navré de pénible incident. Ma nièce vous a sans doute raconté l'histoire à bracadabrante. Depuis 2 ans, elle délire. Folie de, comment vous dites, persécution. Elle se croit enlevée, fille de milliardaire. Elle est incurable. Alors pendant crise, je suis obligé de l'enfermer dans oubliette, cachot. Elle est mieux ici que dans l'asile. Oh, j'ai tout de suite vu qu'elle était folle. Un peu excitée, ça sûrement. J'espère pour vous que seule nièce ici, toujours dangereux dans famille et quand messieurs passent nuit à duel au sabre. D'accord. Chassons, loi pensée. Soyons heureux, gais. Souper de minuit est prêt. Belle nuit de crime, hein? Ça qui arrive. Plus il y a de lumière, plus on est tranquille. Ah oui, j'ai vu ça. Valet! Cigaros Tovarich, please. Demain. Quand je pense que je croyais que c'était le... Oui, le boxeur. Oui, le boxeur. Au sang! Qui a coulé pour l'amour? Oh, mon prince. Il m'agace avec son sang, ce maudit. Un tremblement de terre, ça me manquait, ça fait 3 minutes, juste avant l'échéance du contrat. Simple défaillance centrale électrique. Hey, tranquillisez-vous. La lumière souvent jaillit de l'obscurité. C'est de Tolstoï. Yeah, c'est de moi. Mais je suis déjà assez vieux pour avoir expérience. Quel homme. Se sacrifier pour une cinglée. Une cinglée, deux cinglées, tu me dis. Mais il n'y a pas encore la seconde. Moi, je suis là, toi. Hein? T'as compris? Parce que quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous voyez bien que la lumière tremble, tout le monde tremble. Mais moi aussi, je tremble. Oui. Dans 6 minutes, il sera minuit. Je suis sans l'air. Vous avez stupidement libéré l'allié des ténèbres. Comment puis-je empêcher cet homme d'exécuter un ordre? Puisque cet homme a été pendant 10 ans mon compagnon de cellule dans la maison des aliénés. Parce que lui, il est fou. Mais moi, je ne suis plus fou. Parce que vous n'êtes pas... La preuve, c'est que c'est moi, le maître des ténèbres. Quel peuple! Bob, je meurs avec toi. Lilian, je te ferai évacuer de force, ainsi que demoiselle et cet idiot. C'est assez raisonnable ce que dit le parrain. Je reste avec Bob. Non, chérie, je préfère t'accompagner. D'ailleurs, tu trouveras vite beaucoup mieux que ce raté. Je vous répondrai dans l'autre monde. Duel au sabre. Il mourra dans 1 minute. Oh!
suis au ciel, mais où sont les anges? Lève-toi, mon fils. Ton stage au purgatoire est terminé. Qu'est-ce que ça veut dire? Un rêve? Une farce? Une leçon. Et une leçon ne peut jamais être une farce. Je te présente mon ami Fréville, l'excellent comédien du théâtre du gymnase. Mademoiselle Varlaine, du théâtre de Paris. Monsieur Frankenstein, qui excelle dans les rôles de composition au cinéma. Mais tous n'étaient pas de la comédie. Il y a par exemple Willy le boxeur. Alors lui, c'est un vrai, un dur. Oui. Le jour où tu as signé le contrat, il s'est présenté chez moi. Il m'a mis au courant les 230 000 francs. Alors moi, j'ai offert le double pour qu'il oublie de t'exécuter. Mais à condition qu'avec l'aide des acteurs supplémentaires, il te fasse vivre 3 jours et 3 nuits terribles. Et je t'ai donné ainsi l'occasion unique d'aimer la vie dont tu étais dégoûté parce qu'il te manquait le travail. Merci, papa. Mais et les messages de Jacques l'Éventreur accrochés sur mon lit? Est-ce que les femmes sont trompeuses? Mon flair de détective m'a toujours averti que tout ça... Oh là là, ça n'était que du chiquet. Écoute, papa, je n'ai jamais autant aimé la vie qu'au moment où je croyais la perdre. Où les mains? Cette fois, vous allez enfin l'écouter, mon histoire. Il était une fois un jeune homme qui aimait une jeune fille. Ce jeune homme était le fils d'un milliardaire. Il désespérait de la vie. Mais après bien des péripéties plus ou moins invraisemblables, avec l'aide de son père et de quelques amis dévoués qui l'aidèrent dans cette entreprise, il finit par trouver le bonheur.